Shalom, shalom, le prophète Joël Casso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, en direct depuis Paris. Soyez bénis, vous êtes sur la chaîne appelée la chaîne des mystères. Donc commencez déjà à partager la vidéo, c'est important. Saloué, ça veut dire que Dieu est Dieu. Saloué, cette chanson, ça veut dire qu'il faut adorer Dieu. Celui l'éternel, il faut l'adorer. Commencez, Marie, Jacqueline, les brigadières, toujours à leur poste. Commencez à partager la vidéo. Shalom à vous. Saloué, c'est en Grébo, c'est en Krumen du Libéria. Saloué, ça dit adorant Dieu, Dieu, Dieu. J'aime bien ce chant. On parle de l'histoire de Bazak Brozo, un féticheur, un dangereux Bazak Brozo. De toute façon, son nom est comme ça, il mange la chair humaine. Partagez la vidéo. Ouais, Sophie Shalom, depuis la Suisse. Partagez les vidéos. Béatrice, viens. Voici la pharmacienne, je ne vous dis pas son nom. Hein. C'est elle qui a fait le don. Hein. C'est la pharmacienne. On a parlé d'elle jusqu'à... Elle a fait les dents. Nous sommes à Paris. Pardonnez, ne l'attaquez pas. Hein. Au moins aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me fait les dents. Vous connaissez le montant. Vous voyez, vous pouvez m'attaquer en esprit. Les gens sont trop sorciers. C'est-à-dire quand ils ne veulent pas ta bénédiction, ils sont sorciers. Quand quelqu'un entend aider le prophète, vous l'attaquez. Voici ma fille, Béatrice. Voilà, donc on est en train de travailler sur l'association, voilà, pour aider les enfants, la voici. Voilà, voici la sœur. Parce que les gens n'envoyaient pas une bosse, voilà, on veut la voir, pendant c'est qui. Amen. La voici. Voici la sœur. La grande Béa. Pardonnez, priez pour elle, n'attaquez pas. Si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, n'attaquez pas la personne. La première fois, quelqu'un me fait un don. Pourquoi je n'ai pas dit merci? C'est celle-là qui a fait le don. Voilà, c'est elle qui a fait le don. Il faut qu'elle la présente un peu, pardonnez. Depuis deux jours, depuis zéro, ma merde, elle est où, la voici? Voilà, la voici, on est chez elle. Voilà, en train de travailler. Voilà, en train de travailler sur beaucoup de sujets concernant la fondation et surtout l'espoir de vie d'Europe. Voilà, voilà, voici, hein. Vous m'avez emmerdé, pardon, on va l'avoir lui dit merci. Maintenant, voyez les jeunes, dites merci, bénissez-la, c'est important. Amen. Vous êtes là, on prie pour vous seulement. Vous ne pensez pas au prophète. Vous me laissez tous les problèmes. Elle m'a délivré des soucis pendant une année. Comment Dieu ne peut pas la bénir? Cherchez un genou, je me souvenir d'elle. Non, ils ne sont pas stratèges. Bon, une femme comme ça, qui me fait des dons pour l'orphelinat, si je suis en genou, son nom vient à ma tête. Mais toi-même, tu m'as rien fait. Tu veux que ton nom vienne de ma tête. C'est sorcellerie ou bien? Tu vois, les gens... Comment j'ai pu penser à toi sans que... La voici. Voilà. On est en train de travailler. Comme elle aime bien la discrétion, tout ça, je dis pardon. Nia, viens, je vais te montrer aux gens. Sinon, ils vont m'emmerder. La voici, là. Bien, fait. Donc, on est en train de travailler. Il faut mettre mon wifi, là. Donne-moi le code, mais... C'est comme ça. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. C'est ça que je dis aux gens. Il y a des gens qui viennent. Là, tu es dangereuse. Hein? En français, il va rien comme dangereuse. Tu es puissante. Donc, voici la soeur m'a emmerdé. Depuis, j'ai fait la vidéo. Ah, on veut la voir un peu. On va la voir un peu. Pardonnez, j'espère que ça ne coûte pas à cause de sorcellerie. Sinon, elle est protégée par le Seigneur. Aider les orphelins. Ça fait du bien au Seigneur. Voilà, donc je tenais à présenter la sœur parce qu'on m'envoyait pas une bosse. On envoyait pas une bosse.
Oui, vraiment, c'est une sœur qui nous a beaucoup aidé. Shalom, shalom. Par rapport à la fondation, c'est vraiment important de dire merci à cette sœur. Voilà, c'est vraiment important. Oui, que Dieu la bénisse. Maintenant, tu vois, non? Tout le peuple entend de te bénir, ça c'est bon. Viens. Ah, encore, elle me dit, tu vois, non? Ouais, comme elle est humble, elle dit encore, tu vois, non? Merci pour ce geste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège, ma soeur. La voici là-haut. Je souffre tous les soucis. Comment envoyer ta paix à l'école? Comment envoyer aux joies à l'école? Comment envoyer Siri à l'école? Elle vient de m'aider. Voilà, donc la voici. Voilà, maintenant, tout est propre sur Paris. Tout est propre sur l'Europe. On a des représentations. Heureusement, même les blancs sont dans notre affaire. Tout est propre, la voici là. Maintenant, c'est toutes les pharmacies qui vont rentrer dans notre histoire. Les ambassades vont venir dans notre histoire. Accrédité le 6 octobre 2018. Ici à Paris, un grand événement sera organisé en faveur de cette fondation. Et surtout, l'ONG Espoir de Vie Europe. Toute l'Europe va se déplacer. Londres, même le Canada, même les États-Unis vont se déplacer. Vous allez nous voir en direct, en temps de travail. Nous sommes en temps de travailler, la voici là. Je parlais de toi. Hein? Les gens pensaient que c'était un musulman. J'ai montré les chèques aux gens. J'ai parlé de temps. Pardonnez. Celui qui l'attaque va rencontrer l'Éternel sur son chemin. Merci, ma soeur. Tu vois, moi, j'aime bien. Il faut qu'elle soit bénie. Si elle est bénie, on va manger un peu. C'est l'homme qui fait l'homme. Comment elle dit, elle fait descendre le milliard. Tu nous donnes la sorcellerie. Pourquoi on ne voit pas milliard dans nos chambres? Dieu est passé par elle pour nous bénir. Et ça, c'est important. Vous êtes là, le Père prie pour nous, le Père. Ah, le Père va prier pour toi comme Atia. C'est vrai, on prie pour toi, mais elle, là, quand je serai devant le Seigneur, c'est pas fait de non, le... Non, non, non. Mais le fait même de me décharger de sa bouddhique, tous les fins du mois, tiens. Moi-même, le Père me raquette. Je dis, mais pourquoi vous me demandez l'argent? C'est moi qui fabrique l'eau. Cette fois-là, c'est pour moi. Or, moi, j'ai une vision, c'est d'aider les enfants qui souffrent. La voici là-haut. Elle est pharmacienne, c'est pas. Non, c'est pas traduit praticienne. Comment comprendre? Ceux qui font médicaments dans bouteille. C'est pas elle qui fait médicaments pour se puriger. Elle fait pas pour se puriger. Chez moi en Afrique, qu'un enfant naît, dès qu'il quitte à l'hôpital, la purigeoire numéro 1. Fallait lui mettre ce consent. Et puis les cadeaux qu'on t'envoie là. On envoie un vase. Mais il faut puriger l'enfant. La belle famille envoie numéro 1, numéro 2, jusqu'à numéro 18. Quand il aura 18 ans, il faut le puriger. 1, 2, jusqu'à 18. Elle n'est pas traduite praticienne. Elle est pharmacienne. Pardonnez, quand vous montrez les gens, vous allez envoyer, vous allez chercher son visage, pour envoyer par une bosse. Il dit, n'aide pas le prophète. C'est mon problème. Les gens n'aiment pas. Mais j'aime bien. Et Jésus n'a pas été aimé. Elle n'est pas femme. Elle n'est pas traduite praticienne. Pour dire, non, quand il y a moins, il faut me donner un médicament et me purger. Non. Elle est fait médicament. C'est-à-dire pharmacie. Elle est pharmacienne. La tête qu'elle a là. Heureusement que c'est un bon cœur. Voilà, donc, on attend de travailler avec elle. Pour aider, faire avancer. Mais comment quelqu'un comme ça qui dit viens, tiens, et puis on va te faire avancer. Je vais jouer avec, dès que je suis devant le Seigneur, je me souviens d'elle. C'est comme ça. Tu m'as rien fait, il y a quand même levé un matin, non, Seigneur, souviens-toi. Tu m'as envoûté ou bien? Elle m'a soutenu. Comment merder? Vraiment, il faut qu'on bénisse la soeur. La voici là. Les gens, ils me voient, le Père, donne-moi la raison, le Père. Oh, ils savent que j'ai des enfants nourris. Puis, non, j'en profite, je dis merci à Laurette. Ma fille Laurette, que Dieu te bénisse pour partager. Je vais te cacher un peu, parce que c'est important. Je vais te cacher. On va finir à travailler. Hein?
Ne fatiguez pas. Bénissez-la, bénissez-la, bénissez la sœur. Au moins, je vous ai montré la sœur. Hein? Je vous ai montré la sœur qui m'a fait le don. Bénissez-la, 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 bénissez la sœur, bénissez-la. Bénissez-la. Celui qui ne la bénit pas, elle est sorchée. Bénissez-la. Lorette. Je t'ai emmerdé, hein? C'est ton jour. Je dis, tu es morte à même moi. Viens, ma fille. Je vais te montrer une qui est trop prête pour moi. La voici, elle en ligne. Lorette, 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 viens. Voilà, bénissez-la, la voici. Bénissez-la, 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 bénissez-la. Bénis l'Éternel, bénissez-la. Elle nous a aidés. Bénissez-la. La voici, là. Encore, il y a des idées qui venaient. Nous sommes en train de travailler sur les grands projets. On veut avoir car nos enfants vont avoir pour aller à l'école dans les car, nos enfants vont pas marcher, nos enfants, on va construire complexe. Mais pourquoi une dame comme ça, on ne peut pas bénir cette dame? Donc bénissez-la. Voilà, dans l'oreille. La voici. Voilà, la voici là. Pardonnez. Pardonnez-la. Bénissez-la. Voilà, elle est dans mon église, ici à Paris. Voilà, heureusement que la France est impliquée. Bon, ma fille va t'asseoir tranquillement, jalousement. Il y a les gens qui viennent dans ta vie pour te ménager. Au lieu de t'aider, ils te gâtent. Des gens qui te donnent à manger, c'est des gens demain qui te détruisent. Il y a des gens qui viennent pour t'aider. Merci Lorraine. Non, il dit Béatrice. Bon, je ne dis pas son nom même, c'est bon. Bon. Moi-même, là, est-ce que je ressemble à quelqu'un qu'on doit toujours attaquer, insulter? C'est la question que je pose aux gens. Partagez la vidéo, partagez. Commencez à partager la vidéo. C'est important. Partageons tous la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez, partagez. Nous avons une fondation, bientôt la rentrée scolaire. Shalom, shalom, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. En même temps, le président fondateur de la fondation prophète Joël Crasso, Espoir de vie Europe. Europe, bien sûr. Mais ici, sa association Espoir de vie Europe. Je suis le président de cette association. En même temps aussi, le président fondateur de l'orphelinat de Divo. Notre but, c'est d'encourager, n'est-ce pas, les pays africains encore, la Côte d'Ivoire, à amener les enfants à l'école et de prendre soin des enfants démunis, des enfants en difficulté. Nous avons déjà des preuves, nous avons déjà un orphelinat que j'ai conçu à fond propre par la grâce de Dieu, construit à fond propre aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous nourrissons des enfants et bientôt la rentrée scolaire, nous sommes en train de nous battre pour accompagner cette rentrée scolaire. Et c'est pour ça que j'aimerais que Dieu, dans sa grâce, dans sa souveraineté, nous donne assez de moyens pour qu'on puisse vraiment aider. Parce que le problème de l'Afrique, c'est vrai, en tant que prophète Crasso, le maréchal d'une brigade qui lutte contre les crimes spirituels, la délinquance spirituelle, la délinquance et les crimes spirituels, mais aussi, on a aussi un problème éducationnel. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école, n'est-ce pas, le chemin de l'école pour être demain des cadres et pour être, n'est-ce pas, au service de l'Afrique, parce que c'est important. Voilà. Quand on reçoit l'onction, on est d'abord responsable de sa nation et puis après, on se met au service du monde entier. Ça, c'est important. Il dit, vous recevez une puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc, nous sommes en train d'accompagner. C'est la rentrée scolaire. Encouragez vos enfants. Pour ceux qui sont en Afrique, autour de vous, si vous avez des petits moyens, encouragez ceux qui n'ont pas les moyens. Amenez à comprendre que le petit qu'on néglige demain, là, il peut devenir cadre demain. Il suffit seulement de l'aider. C'est tellement simple. Nous avons une stratégie. Payer un stylo, c'est rien d'Afrique. Payer, c'est une question de volonté. Et puis, c'est l'amour. D'ailleurs, l'amour de Dieu se résume à aimer son prochain comme soi-même. Donc, si tu penses que scolariser ton enfant est bon et que tu penses que ton voisin n'a pas les moyens, s'il te plaît, il faut l'aider. Ce n'est que payer un cartable, ce n'est rien. Un stylo, encore ardoise. Et puis, envoyer 500 francs par jour. Pour encourager l'enfant à aller à l'école. Bientôt la rentrée scolaire.
Et ça, c'est vraiment très important de encourager. L'Afrique est un problème éducationnel. Si nous n'encourageons pas l'Afrique, si nous n'encourageons pas nos bien-aimés à aller à l'école, il sera difficile qu'aujourd'hui, notre Afrique, nos chers continents africains, puissent vraiment s'en sortir. Et c'est ça le combat aujourd'hui. Le combat, ce n'est pas se mettre sur les réseaux sociaux en train d'insulter qui que ce soit, être le meilleur, avoir l'onction. L'onction, ça ne se résume pas là. L'onction appartient à Dieu. Mais ce qui est en nous, c'est quoi? Parce que l'onction, ça appartient à Dieu. Le pouvoir, là, ça appartient à Dieu. Dieu, heureusement qu'il ne se répand pas de ses dons, mais on n'est pas là pour dire qui est plus fort que l'autre. Mais qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? C'est ça. Qu'est-ce que tu as pu faire à ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que la Bible dit que nos œuvres nous accompagneront. Or, délivrer quelqu'un, c'est l'œuvre de l'esprit. Or, guérir, bon, Dieu passe par quelqu'un pour guérir. On a tellement vu des miracles. Mais qu'est-ce que tu as pu faire? C'est ce qui est en nous, l'amour de son prochain, aider. Sauf cela que bientôt, c'est la rentrée scolaire. Ici en France, ils vont démarrer la semaine prochaine. Mais s'il vous plaît, vos histoires d'un enfant de 4 ans, vous allez vous apprendre comment, excusez-moi, comment on fait les rapports sexuels, comment on connaît son corps. Et l'enfant dit, il est choqué, il dit sperme. Chez nous, on ne fait pas ça. Quand tu fais ça, Zadi Tapé va te gifler. Chez nous, ça partit de 20 ans. Même si tu fais ça, même c'est un problème. Mais un enfant, franchement, je ne trouve pas ça normal. Parce que la sexualité, c'est pratique, ce n'est pas théorique. Tu apprends un enfant comment toucher son corps, maîtriser son corps. En Chine, j'ai vu une vidéo en Chine, c'est interdit, strictement interdit. De parler pour un des sexes, et c'est bon. Parce que le sexe, là, il est pragmatique. C'est-à-dire, quand tu parles ça, ça va, tu seras excité. Tu as dit à un enfant, il va lui montrer, il va montrer ça, il va faire. Pardonner en France ici, bientôt, ça sera la chose. S'il vous plaît, nos enfants ont besoin d'être protégés. Surtout contre les... Je ne sais pas. Mais, en Côte d'Ivoire, nous, on a essayé de, par la grâce de Dieu, combattre, n'est-ce pas, le phénomène des microbes, par la grâce de Dieu. On essaie de envoyer des enfants à l'école, n'est-ce pas, aujourd'hui. Les enfants qu'on pensait qu'ils devaient être inutiles à l'école, les enfants qu'on pensait qu'ils ne devaient pas aller très loin à l'école aujourd'hui, Dieu merci que ces enfants aujourd'hui, ils sont allés, ils sont les meilleurs de leur classe, ils sont les meilleurs de leur truc. Ça, c'est vraiment important. Quand on dit qu'on est meilleur, quand on dit qu'on est bon, c'est ce qu'on fait autour. Dépenser plus de 27 millions pour la construction d'un orphelinat, il faut avoir l'amour. Encore, ce n'est pas l'orphelinat. Il faut entretenir. Et Laurette en sait quelque chose, elle est allée là-bas. J'en parlais avec elle tout à l'heure. Elle a dit, mais il faut que les gens partent. Tu as dit, mais ma fille, c'est comme ça. C'est ce qui est en moi. On dit qu'on nous donne ce qui est en soi. Si tu retournes à la poussée, tu es poussé, tu retournes à la poussée. Quand quelqu'un est méchant, c'est la méchanceté qui va produire. Vous allez le voir en train de vilipender, vous allez le voir en train d'insulter parce qu'il est méchant, c'est ce qui est en lui. C'est cette sémence-là qui va porter fruit dans les œufs qu'il fait. Voilà. Et dans les œuvres qu'il fait, il fera chaque jour la méchanceté. Il sera en train de courir ça et là, en train de vouloir nuire à la vie d'autrui. Or, il faut construire la vie. C'est ça. À un moment donné, Jésus a dit, nourrissez-les, donnez-vous-les à manger. Il dit, mais nous n'avons rien. Mais Jésus s'est occupé de ces 500 personnes qui avaient besoin de lui. Il leur a donné à manger. Quand est-ce que tu peux un jour penser à ton prochain? Quand est-ce que... Parce que Jésus lui-même, qui était Dieu... Il va nourrir, n'est-ce pas, des gens. Les gens, ils pensent, ils sont toujours là en train de parler. Ils sont toujours là en train de vilipender. Ils sont toujours là en train de rencontrer des choses. Mais, bien aimé, c'est ça. C'est cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons, Dieu m'a mis à cœur depuis un moment, depuis que je travaille dans cette région, en tant qu'orphelin de père de mère. Moi, je suis orphelin de père de mère. J'ai compris, je sais ce qu'on a pu être orphelin. Je sais, c'est ce qu'on appelle être orphelin. Voilà, je sais ce qu'on appelle être orphelin. Donc, je parle avec les enfants de la fondation. Je vais même discuter avec eux. On peut partir de rien, devenir quelque chose. Mais encore, il faut appuyer, il faut accompagner les gens. Il faut les stimuler, il faut les encourager, il faut les coacher pour que les enfants puissent croire. C'est ça que j'ai dit aux gens. On ne peut jamais dire dans la vie que toi, tu ne diras jamais quelque chose. Tu ne diras jamais rien. Non, c'est très dangereux. C'est très dangereux un jour de dire à quelqu'un, non, toi, tu seras quoi demain? Hein? C'est dangereux. Parce que celui aujourd'hui, en qui tu ne crois même pas. D'ailleurs, tu ne connais pas son avenir. Personne ne connaît. D'ailleurs, toi-même, tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Si la mort te disait, je vais venir te prendre le 5 septembre à le 5 septembre qui vient 2018 à 5 heures du matin. Ah tiens, minuit même là, tu as déjà fui ta maison. Tu as bourri. Tu vas aller te cacher, je ne sais pas dans quelle forêt. Oh la mort là,
quel que soit l'endroit, il va venir te chercher. Pour dire, tu ne sais même pas demain. Tu ne sais même pas combien de temps tu vas vivre sur cette terre. Et puis, c'est toi qui insultes les gens. Tu ne sais même pas combien de temps tu feras sur cette terre. Donc, le reste du temps que tu as là, mets-toi au service des gens, aide-les. Aide les gens. Parce que la Bible dit, nos œuvres nous accompagneront. Pourquoi? On ne sait seulement combien de temps. L'onction, tu parles en langue, c'est pour Dieu. Prophète Crasso, c'est Barisha, la brigade anti-sorcellerie, là même. Là. Le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne aux gens. Moi, il y a quoi à voir avec ça? Il y a quoi à voir avec ça? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? C'est ça le sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. On ne peut pas dire on aime quelqu'un sans manifester, sans sacrifice. S'oublier, c'est ça. On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, toute ma pensée, c'est d'aider mon prochain, c'est de faire, n'est-ce pas, d'apporter un soutien à mon prochain, c'est d'aider maximum de personnes à entrer dans la bénédiction. C'est ça un peu. Mais toi, tu fais quoi? Les gens, eux, leur ministère, c'est la nuisance. Il y a des gens même, ils ont l'esprit, c'est-à-dire ils ont l'art. Quand tu vois comment eux travaillent, c'est-à-dire l'art de nuisance. Ils travaillent beaucoup. Mais ce talent de nuisance-là, tu peux le mettre au service de Dieu. Mais je comprends. Parce que la Bible nous dit l'esprit malin. C'est-à-dire ils sont malins. Les gens sont l'esprit malin. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, comme je suis en train d'enseigner, c'est une question du Saint-Esprit. C'est une question du Saint-Esprit, hein. C'est une question de Saint-Esprit. Si tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu as un esprit mauvais. C'est ça. J'aime bien cette expression, l'esprit mauvais. Quand tu as l'esprit mauvais en toi, tu insultes, tu détruis. Moi, je ne sais même pas. Je me pose la question, comment les gens arrivent aujourd'hui à être rebelles? Comment les gens arrivent aujourd'hui à manger avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas? C'est-à-dire, moi, je me pose la question. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas arriver à ce stade-là. Ce qu'on arrive à ce stade, c'est qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'interpeller. Le Saint-Esprit va t'interpeller. Toutefois, quand tu vas vouloir insulter quelqu'un, toutefois, quand tu vas vouloir faire du mal à quelqu'un, le Saint-Esprit va t'interpeller pour dire, « Atia, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. » Et quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, il va partir. Or, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. Il dit, « Vous aimez vous les uns les autres, sans que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Il y a des gens, ils vont beau. Jésus même là, ils l'ont même crucifié, hein, à la croix. Hein. Il avait le pouvoir, n'est-ce pas, d'intervenir. Il a dit, pardonne-les quand ils ne savent pas. C'est-à-dire, regarde même, quelqu'un qui est en train d'agoniser à la croix, et dans ce malheur, dans ce qu'il tente de faire, il a dit, pardonne-les quand ils ne savent pas. Donc, Dieu, dans son amour, il va toujours manifester l'amour. Mais toi, tu dis, tu es homme de Dieu. Toi, tu dis, tu es un enfant de Dieu. Et c'est toi qu'on voit toujours dans des histoires de haine, dans les histoires de méchanceté, dans les histoires d'attaque. C'est toi toujours qui est en train de commérage. C'est toi toujours qui est dans la base de nuisance. Oui, il dit que le scandale arrive, mais malheur par qui? Moi, je ne veux même pas être dans la base des scandales. Je veux toute ma pensée et ma prière, je veux être utile pour aider quelqu'un. Mais qu'on pense qu'il est mauvais, je veux que Dieu m'utilise afin de l'aider. C'est cela que la plupart de ceux qui les enfants que vous voyez à la fondation. Il y a des gens, auxquels les parents ne croyaient plus, qu'ils ont laissé à la fondation. Hein. Qu'ils ont laissé. Hein. Je vous dis, je n'ai pas de subvention de l'État. L'État ne me subventionne pas. L'État ivoirien ne me subventionne pas. Heureusement que, de temps en temps, comme j'ai montré, c'est la première fois où je vois une personne qui se lève le matin pour dire, je te donne, je ne dis pas, je vous ai déjà dit, parce que quand j'ai dit, les gens ils vont avoir un esprit bizarre. Elle m'a donné un chèque chaque mois où je dois retirer, je ne sais pas si je dois dire, parce que les gens, quand ils disent, ils vont penser que tu as tous les millions, tu as tous les euros. Mais c'est les gens, c'est la sorcellerie, ils vont me voir, non, oh l'argent, c'est 500 euros tous les mois jusqu'à pendant une année. C'est la première fois. Merci Laurent qui allait. Vous me voyez comme ça, là. Vous pensez qu'il y a l'argent. Or, l'orphelinat que j'ai construit, l'argent qui est mis dans l'orphelinat, chaque année, chaque mois, je mets de l'argent dedans. Je pourrais construire ma maison. Ici, on connaît. Hein? Il y a des gens hein, qui ont des voitures de luxe. Il y a des gens qui ont des voitures de luxe. Qui ont des voitures de luxe qui sont là, qui ont des trucs. Tout ça, qui ont des voitures de luxe. Qui ont des grands trucs. Mais jamais ils ne pensent parce que ce n'est pas en eux. L'amour, le partage n'est pas en eux. Ce n'est pas en eux. Moi, tu ne me verras jamais en train d'insulter quelqu'un.
Je suis contre, je n'aime pas ton affaire, je ne marche pas avec toi. Malheureusement, c'est ça. Je ne crois pas en toi, je ne vis pas avec toi. Je ne crois pas en toi, je ne vais pas regarder ton Facebook. Tu es contre celui que j'aime, je ne vais jamais sur son direct. Voilà, bref, pour vous dire, tout va bien ici à Paris. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de travailler dans le but de pouvoir faire avancer l'Afrique. C'est ça, l'onction, c'est vrai. La destruction des œuvres, la sorcellerie, la destruction des œuvres du diable. Et au-delà de ça, il faut aider les gens. Il faut aider les gens. C'est ça. Quel est-ce que tu as fait sur cette terre? Jésus dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné, vous ne m'avez pas vêti. Quand avons-nous vu tout ça? Il dit, toute fois que vous l'avez fait à l'un de mes enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire quoi? Dieu, au-delà de la chrétienté, au-delà de ce que nous disons, la parole de Dieu, la Bible, qu'est-ce que nous produisons autour de nous? Est-ce que nous produisons la vie? C'est pour ça qu'il a dit, il est précis là-dessus. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 17, il dit la religion, parce que la religion, c'est un moyen qui va vers Dieu. Or, la chrétienté, c'est la vie du Christ. Il dit ici, la religion pure, sans tâche, consiste à aider les veuves et les orphelins et à se préserver des sujets du monde. Vous comprenez? À se préserver des sujets du monde. Regardez un peu. Si on veut vraiment aider, si on veut vraiment être des hommes selon Dieu, il faut aider les gens. Il faut apporter une assistance. C'est pour ça que les gens ne sont pas bénis. Parce que la bénédiction, c'est mérite. Qu'est-ce que tu as pu faire pour être béni? Tu as fait quoi? Il faut poser un acte. C'est ça que Dieu a dit à Abraham. Donne-moi ton fils, l'unique que tu aimes. À partir du fils qu'il aime, l'unique, il a béni Abraham. Il a tenu compte du sacrifice d'Isaac et puis l'a béni. Heureusement. Donc, si vous voulez entrer dans une bénédiction, parce que quand vous rentrez dans un système d'assister les veuves et les orphelins, peut-être comprendre, je n'ai pas encore pris un verset biblique, sinon c'est dans la Bible. Comme j'ai tous les paroles de Dieu, les versets dans ma tête, voilà, donc je veux vous lire cette parole de Dieu. Vous allez mieux comprendre. Hein? Vous comprenez mieux ce que je dis. Jacques le chapitre 1, le verset. Jacques le chapitre 1, le verset. Je crois bien, vous connaissez bien. Le verset 27. Jacques le chapitre 1, le verset 27 dit, la religion pure, sans tâche, devant Dieu le Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affection et à se préserver des sujets du monde. Je reprends, bien aimé. Il dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu le Père. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père. Ce n'est pas aller insulter les gens. Ce n'est pas aller faire des conflits. Ce n'est pas aller diviser une église. Ce n'est pas aller rencontrer des choses aux gens. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père, écoutez très bien, consiste à visiter les veuves et les orphelins, les orphelins et les veuves dans leur affliction et leur préserver et de se priver dessus du monde. Donc, c'est ce que j'ai compris. Voilà, j'ai compris que malgré l'onction, on tue le babamelé, le dragon. Zadi parle, j'ai mangé la tête, j'ai mangé 3000 personnes. Ça, c'est vrai. Mais et au-delà de ça, est-ce que je fais une religion puissantage devant Dieu? Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je dois assister l'orphelin, les orphelins et les veuves. C'est pour ça qu'à un moment donné de ma vie, j'ai vendu ma voiture. La, qu'on appelle X5. J'ai vendu la voiture et je suis allé. J'ai commencé les débuts de la fondation, c'était difficile, mais c'est de l'argent que j'ai mis dedans. Or, le matériel, les maisons, nous voyons ici, les voitures, nous allons tous laisser ça et puis un jour mourir. Et le problème, c'est quoi? Est-ce que nous savons combien de temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre? Point d'interrogation. Si nous ne savons pas, or, un jour, là-bas, c'est l'éternité. Or, la Bible dit, nos œuvres nous accompagneront. Encore, la foi sans les œuvres, elle est morte. T'as la foi. Où sont tes œuvres? Donc, j'ai compris. Et d'autres diront que nous avons chassé les démons en ton nom. D'autres diront que nous avons fait. Ce n'est pas ça que Dieu va regarder. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu as pu faire? Donc j'évite de faire du mal à mon prochain. J'évite. Donc je construis la vie des gens. Je me mets au service de Dieu. Et j'aimerais que Dieu m'utilise en fait de pouvoir aider au maximum de personnes. Et c'est ce que je suis en train de faire avec la fondation.
prophète Joël Crasso, espoir de vie. Dieu merci. Aujourd'hui, on a des enfants qu'on a pu aider, des enfants qui étaient déclarés comme des enfants nuisibles à la société, à des familles. C'était mangeur. Effectivement, ils ont mangé les parents. Ils ont détruit la vie des gens. Mais ça ne nous a pas empêchés parce qu'il faut croire, il faut penser qu'il faut toujours aider les gens. C'est ça la chrétienté. Au-delà, pourquoi? Parce que Dieu lui-même, là, il n'a jamais désespéré. Malgré nos péchés, si Dieu pouvait montrer ce qu'on fait dans le secret, on allait fuir l'église. Parce que quand on vient, on se joue les pieux, Seigneur, mon Dieu, je t'adore. Oh, le gars, il est bizarre. Mais Dieu l'espère. Quand tu viens lui dire pardon, il croit toujours. Oh, Dieu connaît ton avenir. Il sait ce que tu fais demain. Il sait ce que tu fais dans le secret. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un, jamais, jamais. J'ai toujours dit à une personne, toujours dit aux gens, il faut toujours croire que les gens vont toujours changer. Parce qu'avec Dieu, il a la capacité de transformer les cœurs et la capacité de délivrer les gens. Et si tu es, il a dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Il faut qu'être fort, soutenez les faibles. Il faut aider les gens, il faut les aider à avancer dans la vie. C'est la rentrée scolaire. Si nous voulons voir l'avenir de l'Afrique, c'est l'école. N'est-ce pas? C'est l'école. Donc, la fondation, heureusement aujourd'hui, on a des personnes qui nous viennent en aide, qui nous apportent une assistance, Dieu merci. On en crée encore, espoir de vie. N'est-ce pas? Association, espoir de vie, Europe. Et très bientôt, nous allons poser une action. Nous allons aller dans la rue, parler avec les immigrés, les gens qui ont traversé. Nous avons beaucoup d'actions à poser. Voilà, donc le 6 octobre 2018, le 6 octobre, c'est un samedi à Vitry-sur-Seine. Nous allons inviter pas mal de gens, des personnes pour venir, n'est-ce pas, à cet événement. On a déjà parlé avec les gens de Londres. Il faut que les gens de Londres soient là. Il faut que les gens du Canada soient là. Il faut que les gens des États-Unis soient là. Toutes les ambassades, nous allons tout entendre adresser une lettre. Il faut que les associations ici, j'aurai l'occasion de m'exprimer devant la diaspora pour dire, regardez l'Afrique, qui est le continent d'avenir. Est-ce que réellement on est prêt pour l'émergence? Est-ce qu'on est vraiment prêt pour transformer nos matières premières? Moi, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer maintenant à créer des écoles et des centres de formation. Il faut commencer à créer des écoles et les centres de formation. Donc, il faut commencer. Ça doit partir de quelque part. Je causais avec quelqu'un, un Algérien, tout ça. Il dit non, ce n'est pas possible. On ne dit jamais, ce n'est pas possible. Non. L'Europe a vécu une misère. L'Europe était dans les guerres, tout ça. Mais ils ont banni ça. Aujourd'hui, on ne parle plus de guerre. Ça part de quelque part. Il faut prendre des initiatives. Il faut réfléchir à certaines choses. Il faut se mettre en marche pour dire, c'est ça. Si nous nous mettons la main dans la main et que nous savons le réel problème de l'Afrique, qui est un problème éducationnel, spirituel, parce qu'on en parle, c'est un problème de sorcellerie, ça, personne ne peut nier ça, c'est sorcellerie, mais en même temps, un problème éducationnel, que c'est la rentrée scolaire, chacun doit dire à son voisin, ou bien on appelle, si on peut aider à 5 francs, son voisin du village, et les villageois aussi, ils vont prendre un petit argent pour aller faire Kanimba. Comme toi, tu es protégé par le Seigneur, Dieu merci, ton petit 1000 francs, tu vas donner le villageois guédé. Il va prendre ton petit 1000 francs, il va aller faire Kanigba. Oh, si tu prends 1000 francs, le prophète Crasso fait Kanigba. Hémorroïde chronique, tu vas avoir. Hémorroïde, tu vas avoir. Tu comprends? Tu vas avoir hémorroïde très dangereux. Voilà. Hémorroïde, tout ça. C'est pour cela qu'il faudrait, n'est-ce pas, comprendre. La chrétienté, ce n'est pas au bout des lèvres. Je suis le meilleur pasteur. Je suis le bon pasteur. Ce n'est pas ça. C'est les œuvres. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont en réalité tes œuvres? Tu as fait quoi? On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Est-ce que tu as la compassion des âmes? Est-ce que tu compatis? Est-ce que la question reste posée aujourd'hui. Voilà, donc Dieu merci. C'est la rentrée scolaire. Je vous demande d'encourager nos enfants en Afrique. D'encourager. Je ne dis pas forcément de venir envoyer toute votre fortune. Non, mais tu peux appeler en Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui, soyez le porte-parole, n'est-ce pas? Encouragez les enfants, allez à l'école. Le mois de septembre démarre la rentrée scolaire. Motivez les gens à aller à l'école. Parce que s'ils ne vont pas à l'école, c'est la catastrophe d'ici 20 ans. Parce que nous, nos générations, là, c'est foutu. Les gens sont dans Gbélé, les gens sont dans Gbélé d'Olam, ils sont en train de boire Goudoukou. Ils sont dans Gbélé. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils ont un avenir. Il faut les aider. Il faut les envoyer à l'école pour qu'ils soient meilleurs demain. Ça, c'est important. Il faut qu'ils soient meilleurs demain. Est-ce qu'on pense? Malheureusement, nous aussi,
On ne pense pas aux enfants des Africains. Quand on se lève le matin, c'est Bangui. Quand on finit de boire, le riz couché, que j'aime bien, le riz couché grec. Tu mets la sauce en bas et le riz en haut. Ça chauffe, puis ça gratin. Tu finis de manger ça. Fais ce que tu as là. Bon, nous on ne boit pas Bangui matin. Mais le vieux, il boit Bangui. Vin de pâle, il boit. Il rote. Quand il finit de roter, il appelle, il dit, Guédé, le petit là. Et puis maintenant, c'est banane braisée. Banane braisée, vaincue. Ça dit, mais il n'y a pas de jus dans le banane braisée. C'est sec et puis c'est cramé. C'est noir. La vieille va faire Le petit déjà fâché parce que le papa, il a vidé la marmite. Les petits hérissons qui étaient dans la marmite, le vieux a vidé tout ça. Tu vois? Et puis il va donner ça à Guédé. Guédé est fâché. Et ce papier veut rentrer dans la tête de Guédé. Banane braisée et eau rouge. Encore, il dit, moi j'ai eau rouge. Ça dit pour dire, non, c'est beurre. Notre beurre au village, c'est eau rouge. Guédé est fâché. Mais petit, là, je ne suis pas devenu sorcier. Guédé va devenir sorcier. Il va à l'école. Quand il va à l'école, tu vois, Kaki, Guédé, c'est déchiré fente. On est un écossais. Voilà. Et puis, ses fesses, là, il n'y a pas slip en bas. Donc, ça dit, quand le maire dit, quand monsieur Kouna dit, va au tableau, Guédé a peur. Parce que quand il va aller au tableau, il va avoir jupe fente. Ses deux paires de fesses sont dehors. Donc, un enfant comme ça, c'est quel papier il va connaître à l'école? Guédé va connaître quoi à l'école? Guédé a peur d'aller au tableau. Et non seulement ça, mais on ne pense pas aux enfants. Et c'est très dangereux. Dangereux dans le sens où un enfant chez nous, un enfant, c'est rien. Comme je vous disais, l'Africain, c'est pirigeois. Un enfant est né, il a un jour, c'est un pirigeois numéro 1. Deuxième jour, c'est numéro 2. C'est-à-dire jusqu'à il a 18 ans, numéro 18. Maintenant, les doyens, c'est 68. C'est-à-dire, c'est pirigeois. C'est pirigeois là qui nous fatigue. On se purige. Ça fait que quand tu vois un Africain, sa manière de réfléchir, c'est qu'il a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. Et regarde un enfant africain, quand il commence à pleurer, on dit Madou, tais-toi. Madou dit non, il ne se tait pas. Madou, tais-toi. Madou dit, il ne se tait pas. Madou, il ne se tait pas. Ok. La vieille va prendre. Vous connaissez Anagobaga? Anagobaga là. Ça dit, elle prend bouillie de maïs, elle met au feu. Elle met au feu, elle fait. Elle dit, tu ne pleures pas. Tu continues de pleurer. Madou dit, elle prend Madou, elle attrape Madou. Un enfant de 2 mois, elle peut attraper ses narines. Et puis elle met Baka dedans. Oui. Mais là, Madou, elle touche le vent de Madou. Non, il n'est pas encore rassasié. Vas-y, Madou, il pleure un peu. Il pleure. Il pleure. Quand il fait, elle dit, voilà. Madou pleure. Quand Madou fait, il t'averse dans ses narines, ça sonne dans sa bouche, elle dit, oh. Il est rassasié. Sommet de Madou. Tu connais? C'est jusqu'à 20h, Madou se réveille. Quand Madou, quand on dit Madou est biberon sain, il refuse l'insain. Il refuse. Mais un enfant comme ça, comment il peut devenir microbe? Il va devenir microbe. Et puis, il va nous piquer demain. Vous comprenez? Il va nous piquer demain. Voilà. Il va nous piquer demain. Vous voyez? Donc, c'est... On ne pense pas aux enfants. Aux enfants. Vous comprenez? Et puis, un enfant, il a 1 an. Il mange les os. Il a mangé varan. Il a mangé les os de poulet, coq. Il va manger porc. Il va manger tout. Il finit de têter à 1 an. 1 an. Il court, il revient encore. Il boit le sein des niens. Ou même des oies. Il est vampire ou bien? Parce que le sang qui tire, c'est... Mais tu vois qu'un enfant de 1 an et demi, il boit, oh, il parle. Tous les bétés, des Guibérois, des Gagnois, tous les Baoulis, tous les Godiers, tous les Webés. Mais sur le petit, là, il va se balader, mais sa main, il fait comme ça, sa main, il tête. Tu es vampire ou bien? Tu es vampire ou bien? C'est-à-dire le petit même, là, tu le regardes, il est têtu. Encore, tête là même, on dirait, excusez-moi, il boit seulement, il tête seulement. C'est quoi ça? Bizarre. Donc ça veut dire, nous-mêmes, on est nés, mais on ne pense pas à notre enfant. Ça veut dire, l'enfant même, on ne sait même pas comment on le sévrit. Il n'y a même pas un planning. La vie, quand,
Quand il fait le courrier, il vient, l'enfant est tête. Mais c'est un vampire. Un an. Or ici, à 3 mois, tu es déjà sévré. 3 mois même là, tu es à la crèche. À 10 heures, 6 heures, tu as bu. Et faut plus pleurer. 10 heures, midi à pour ça. Là, ça dit, c'est... Voilà, c'est bien, non. Or, chez nous, il n'y a pas d'heure. Un enfant à 20h, à 22h, à 23h, il mange. Son ventre, c'est comme bro, c'est-à-dire les sacs les sacs de bro. Que Dieu nous aide. C'est pour dire quoi? Les enfants ont besoin de la protection. On a besoin de protéger les enfants. Il faut penser à leur avenir. Il faut penser que les enfants ont besoin de notre soutien. Il faut penser que il faut les aider. Et ça, tout ça, c'est vraiment très important. Il faut que nous puissions nous battre pour l'avenir de nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est dangereux. Si nous ne le faisons pas, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Moi-même, j'étais vraiment choqué quand je suis dans un village. Zaroko, j'ai vécu une expérience dans le village là-bas. Je suis dans le village, enfin, on renvoyait des enfants. On a renvoyé plus de 30 enfants. Et ça fait écho. Ça m'est parvenu. J'ai demandé, on dit non, on s'en fout d'eux. Si j'en envoyais les enfants, ils vont venir changer. Ils vont venir au champ. J'ai dit, mais les enfants, vous chassez là. Les enfants, vous avez... Mais c'est les enfants qui seront cas demain. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. J'ai dit, mais si on n'aide pas aujourd'hui les enfants, c'est dangereux. C'est dangereux. Si on ne les aide pas aujourd'hui, les enfants ne pourront pas aller, ils pourront pas aller demain loin. Voilà. Ils ne pourront pas. Donc, il faut les aider. Et c'est comme ça que je me suis commencé à m'investir doucement, doucement dans cette histoire. Et puis, Dieu merci, par la grâce de Dieu, ça a porté. Dieu m'a donné moi parce que je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je vais être utile. Seigneur, pardon, aide-moi à aider les gens. Mon cœur, là, il ne faut jamais permettre que mon cœur puisse détruire. C'est pour cela que vous allez voir tout mon entourage. J'ai toujours aidé les gens. Moi, je me bats toujours pour aider les gens. Vous n'allez jamais voir en train de vouloir détruire. J'ai toujours, et ça, mon souhait et ma prière, c'est de toujours aider les gens. Parce que c'est ça. Le Seigneur aimerait qu'on partage. Le Seigneur aimerait qu'on aide les gens. Il faut aider les gens. C'est ça la vraie religion devant Dieu. La vraie religion, c'est de soutenir les veuves, des orphelins, les veuves. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ça. Parce que moi, quand tu dis que non, tu es béni, mais qu'est-ce que tu fais? Ta bénédiction, tu fais quoi? Parce que l'argent, on va laisser. Le matériel, nous laisserons le matériel. Tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre ici, du moins, nous allons tous laisser et nous allons partir. Nous laisserons tout ça. Et puis, d'ailleurs, même toi-même, là, tu as combien de temps sur cette terre? Combien de temps sur cette terre? Tu as combien de temps? C'est toi qui es toujours en train d'insulter. C'est toi qui es en train de toujours faire palabre. C'est toi qui es en train de toujours être dans les bagarres. C'est toi toujours qui es en train de faire les trucs. Arrête ça un jour. Et puis, occupe-toi d'investir. Dans le même long, même aujourd'hui, là, il ne peut pas durer même jusqu'à 90 ans. On ne peut même plus durer 90 ans. Ça n'existe même pas. On ne peut même plus durer 90 ans. Tellement qu'on pêche. Tellement qu'on insulte. C'est ça le problème. Nos pensées, c'est toujours dénigrer des gens. Nos pensées, c'est toujours détruire des gens. Il faut faire un effort pour aider. Malheureusement, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Dieu merci. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Aider l'Afrique, aider la diaspora à pouvoir s'en sortir. Le prophète Joël Crasso. Je vous informe aussi que nous avons une église sur Paris. Voilà, nous avons une église sur Paris. Ah, le prophète Crasso a toujours dit en Europe. Mais l'Europe, là, frère, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Si Dieu me dit, reste ici, je reste ici. Votre problème, c'est quoi? Quand il était à Abidjan, il était à Zaroko, là, ça faisait quoi à quelqu'un? Donc, j'ai mis une base, je suis en train de fonder une église selon Dieu. Donc, moi, je marche selon l'ordre du Saint-Esprit. Mon employeur, autant pour moi, m'a dit de mettre une église. Et vous voyez, ça fait 2 mois que je suis en train de mettre une église. Je suis en train d'organiser cette église-là, en train de mettre. Parce qu'aujourd'hui, les gens bénéficient du ministère, délivrance, tout ça. Ils ont besoin d'une église assise dans la foi. Donc, j'ai ce don-là, ce talent-là. Au-delà des sangs de prière, j'ai ce talent de pouvoir créer une église. Nous sommes en train de créer une église. Nous sommes en train de fonder, d'aider. Nous sommes en train d'amener la diaspora, les gens venir. Et vous avez vu mon enseignement. Je suis en train d'enseigner les gens. À revenir vers Dieu. Je n'ai pas un langage tordu. Et quand vous suivez bien mes messages, je ne suis pas le genre qui a un message tordu. Je prêche Christ dans toute sa vérité, dans toute la sincérité, afin d'aider les gens à revenir à Christ, à se faire délivrer, aller de l'avant. C'est mon message que je prêche. Voilà, donc, je vais faire soit à l'église, et serai très bientôt en Afrique, bien sûr, mais je suis le responsable de cette église. Voilà, donc, déjà, tous les mercredis, j'ai dit autant pour moi, à partir de
de 14h jusqu'à 20h, je reçois. Donc, ça veut dire demain, je commence mes réceptions à partir de demain, à partir de 14h jusqu'à 20h. Quand je finis la réception de 14h à 20h, je vais aussi attamer aussi une réception vendredi jusqu'à 14h. Et samedi, nous allons, n'est-ce pas, jusqu'à 18h, de 14h jusqu'à 18h. Et c'est samedi, là, précisément, tout le monde doit être là pour le baptême du Saint-Esprit. Nous avons, n'est-ce pas, où je n'ai d'abord à partir du vendredi, jusqu'à 18h, rester à la maison. Il n'y a pas de veillée sur vendredi. Et nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit, pour que le Dieu nous baptise du Saint-Esprit, que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit, que Dieu nous donne des dons spirituels, que nous ayons des dons spirituels. Parler en langue, dons de prophétie, dons de guérison, dons de miracles, tout ça, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des dons spirituels, nous avons besoin des dons spirituels pour que nous puissions aller de l'avant. Il faut un réveil spirituel, il faut un réveil. Parce que quand on est réveillé, il n'y a pas de coméra. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus bouillant pour l'œuvre de Dieu. On n'évangélise plus. On a honte. Vous savez qu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est la peur. Comme l'apôtre Pierre, il avait peur de prêcher Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il avait peur. Il n'était pas plein. Il n'a pas rempli du Saint-Esprit. Il a régné Jésus-Christ devant ses femmes. Et le jour, il a été visité par l'Esprit de Dieu. Voilà, le jour qu'il a été visité par l'Esprit de Dieu, nous avons compris dans la parole de Dieu que l'apôtre Paul, qui avait peur, n'est-ce pas, qui avait peur de parler de Jésus-Christ, va prêcher à des milliers de personnes qui vont se convertir. Donc, quand on a l'Esprit de Dieu, et l'apôtre Paul, la Bible dit, partout où il passait, même son homme guérissait les malades. Vous savez, son homme guérissait les malades. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Il est écrit ici dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, on dit, « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Comment ça se passe? Le chapitre 2, de Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel, comme un bruit, n'est-ce pas? Il remplissait toute la maison. Ils étaient assis. Et des langues semblables à la langue de feu leur apparurent, séparées les unes. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le verset 15, on dit, le verset 17, on dit, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je remplirai, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront et auront des visions. Donc, nous avons besoin d'être remplis. Tu aspires un don spirituel ce jour-là. Dieu va te donner le don de guérison. Dieu va te donner le don de miracle. Dieu va te donner le don de prophétie. Dieu va te donner le don de vision. Dieu va te donner le don de discernement. Tu as quelqu'un, mais tu ne sais pas qui il est. Tu as une femme, tu ne sais pas si elle va te manger, elle va te faire sauce arachide. On appelle ça tiga dégué. Tiga nan, autant pour moi. Tu ne sais même pas. Il faut le don spirituel. Voilà, il faut le don spirituel. Donc, ce jour-là, ne manquez pas. Nous allons être remplis ici à Paris, n'est-ce pas? Ou venez à Vitry-sur-Seine, n'est-ce pas? Vous appelez 00337-62-40-24-84. Vous appelez le numéro pour qu'on puisse déjà venir. Bon, non, ceux qui veulent recevoir en privé, c'est jeudi, ça commence. De 14h à 20h. Vendredi, de 14h à 20h. Et le samedi, c'est jusqu'à 18h. Mais le samedi, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Je vais précisément, c'est ouvert à tout le monde. À partir de 18h, je précise très bien, à partir de 18h, c'est ouvert à tout le monde. À partir de 18h, nous allons prier jusqu'à 22h pour réclamer la plénitude. Ceux qui avaient perdu le don, que Dieu renouvelle le don en eux. Ceux qui voulaient avoir le don de miracle, le don de guérison, nous allons prier. Mais en temps, il faut que nous prions déjà nos jeûnons à partir de vendredi 18h. Le samedi, nous allons jeûner jusqu'à 20h. Le dimanche jusqu'à 18h. Il faut que ces trois jours, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu, on ne voit plus de miracles au milieu de nous. On ne voit plus dans la vie des chrétiens la manifestation. Les gens ne parlent plus en langue. Ils pensent que c'est le prophète seul. Si le prophète seul, dans une église, manifeste le charisme, il est le seul à le faire, ça donne 7. C'est-à-dire que c'est une secte, c'est-à-dire je suis le gourou et puis je dirige les gens qui me regardent seulement. Non, or le don, c'est pour tout le monde. On dit, ce don-là est pour tout le monde. Dieu doit répandre son esprit sur toute chair. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Il faut que Paris soit réveillé. Il faut que l'Europe soit réveillée. Il faut qu'un vent de réveil souffle. Et quand un vent de réveil souffle, on n'a plus peur de témoigner. À peine les gens parlent de Jésus. Tous les rendez-vous, c'est dans le restaurant, on va manger. Ou bien rendez-vous sur Facebook, insulter. On s'insulte, on est né comme les digués. Les pasteurs maintenant sont devenus comme les digués. Chacun s'insulte sur Facebook. Chacun dit qu'il est plus fort que l'autre. Ça, c'est digué. Or, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'a pas ce temps. Il doute tout son esprit, c'est d'aider les gens. Tout ça, c'est pour aller soutenir les gens. C'est ça, avoir l'Esprit de Dieu. C'est ça, avoir l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Joël Crasso. Ne manquez pas ce programme. Ne manquez pas. Soyez fortement bénis. Ma prière, c'est que, comme David, Seigneur, ne m'éloigne pas de ta face et ne m'arrache pas ton esprit. Si Dieu t'éloigne de sa face, ce qui peut éloigner Dieu de ta face, c'est le péché. L'envie de détruire. C'est ça. On dit celui qui a la haine pour son frère est un meurtrier. La haine. Il y a des gens qui ont dans la haine. Là, ils dorment. Quand ils se réveillent matin, comment nuire la vie de l'autre? Leur pensée, quand ils dorment, ils se réveillent. Ils ont là, c'est-à-dire, ils ont là, dans le secret, une manigance, c'est là de la nuisance. Celui qui a la haine pour son prochain est un meurtrier. Tu es le même comme le gangster, le brigand qui égorge le rebelle. C'est maintenant que j'ai vu ce qu'on appelle trahison. Avant, je connaissais ça littéralement. Maintenant, je sais. Je pensais que Judas est mort, mais il a fait des petits-enfants. Et les arrière-petits-enfants qui sont là, qui sont en train de pérenniser son règne. Mais ils sont tous vaincus dans le nom de Jésus. Vous savez, à un moment donné, il faut comprendre que il faut marcher selon le plan de Dieu. À un moment donné, il faut comprendre que il faut marcher selon la vision de Dieu. Tout le monde peut parler, mais au moins, ce qu'on réclame du prophète Crasso, c'est qu'il a un orphelinat. Toi, tu as quoi? Tout le monde peut parler, c'est qu'à un moment donné, le prophète Crasso, quand il mange, un orphelin mange. Quand il mange, un orphelin mange. Plusieurs orphelins mangent. Il soutient les gens. C'est ça qu'il faut retenir de l'homme. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est d'apporter le soutien aux gens. Ce n'est pas pour venir dénigrer. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas ce temps. Je n'ai même pas ce temps. Voilà. Donc, nous faisons nos prières. Je n'ai pas ce temps de dénigrement. Je n'ai pas ce temps. Mon souhait, c'est d'aider les gens. C'est mon combat que je mène. Toujours apporter mon aide aux gens, aux nécessités. Apporter mon aide aux gens qui souffrent. Apporter mon aide aux gens qui ont des besoins. C'est ça. Jésus-Christ allait de lieu en lieu aidant. Voilà. Regardez, je vous lis la parole de Dieu pour terminer. Vous allez voir ce que la mission de Christ sur cette terre dans Actes des Apôtres. Voilà. J'ai fini par comprendre que ça doit être la mission de chacun d'entre nous. Voilà, ça doit être notre mission. Et si nous ne rentrons pas dans cette vision de la mission de Christ, il sera difficile, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus. On dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu est avec lui. N'est-ce pas? Voilà, quand Dieu est avec quelqu'un, n'est-ce pas, il l'aide à libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Voilà, donc que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous fortifie. Le Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui a lieu de lieu en lieu en faisant du bien. On dit qu'il allait de lieu en lieu en faisant du bien. Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a honte du Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Jésus allait de lieu en lieu pour aller dénigrer. Il n'allait pas de maison en maison pour insulter les gens. Il n'allait pas de maison en maison pour dénigrer les gens. Il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades. Parce que quand l'Esprit de Dieu, on dit, l'Esprit de Dieu est sur toi, ça te pousse à faire du bien. C'est l'esprit mauvais, parce qu'on dit l'esprit méchant, l'esprit mauvais. La Bible dit que l'esprit méchant est l'esprit mauvais. Quand l'esprit méchant t'anime, ça t'amène à dénigrer. Quand l'Esprit de Dieu t'anime, quand l'Esprit Saint t'anime, même si ton frère est dans l'erreur, tu veux l'aider. Quand ton frère est dans l'erreur, tu es poussé à l'aider. On dit vous qui êtes les plus forts, soutenez les faibles. C'est ça. Mais quand tu es animé d'un esprit méchant, tu veux
détruit. Ton langage est un langage de démoniaque, est un langage de monstre. Ce n'est pas un langage de paix, c'est un esprit de destruction. Voilà, parce qu'en toi, tu as un esprit méchant. Aidons les gens. Actes, le chapitre 10, le verset 38, c'est clair. En vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Et Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi, quand le Saint-Esprit en toi, tu vas de lieu en lieu, tu fais du bien. Quand tu vois un enfant orphelin, tu l'aides. Quand tu vois une veuve, tu apportes ton soutien. Quand je me lève le matin, comment aider les gens qui sont en souffrance? Et en même temps, comment les délivrer de cette souffrance? C'est ça. Le jour où tu seras poussé à critiquer quelqu'un, le jour où tu seras poussé à nuire la vie de quelqu'un, le jour où tu seras poussé à diviser l'église, le jour où tu seras poussé à faire des conneries, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te pousse à de bonnes choses. Salut le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcière. Viens ma fille, un dernier au revoir. Malheureusement, on tombe sur les personnes qu'il ne faut pas. C'est ça que Demet ne va pas m'abandonner. Non. Voilà, c'est elle qui a fait le don. Voilà, donc, au revoir. On est ensemble. On est ensemble, que Dieu bénisse, que Dieu fortifie. N'oubliez pas que demain, il y aura un petit direct. Demain, je reçois l'entretien. Demain, je reçois sur Paris, venez sur Paris. Jacqueline doit venir. Tous ceux qui sont à Bruxelles, venez. Et puis, au fur et à mesure, on va baptiser les gens du Saint-Esprit. Dieu va baptiser, Dieu va bénir. Bonne nuit, n'oubliez pas de prier. Psaume 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix, car l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous allez sur le Facebook des gens, où les gens insultent vos papas spirituels, vous mettez j'aime. Ça veut dire, vous dites amen. Ça veut dire, c'est dangereux, ça veut dire. Les gens, ils sont. Or, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Ça veut dire, tu n'es pas convaincu. Ça veut dire, il ne faut pas marcher à quelqu'un qui ne croit pas en toi. Ce n'est pas normal. Si tu ne crois pas en quelqu'un, il ne faut pas marcher à lui. Or, si tu marches avec quelqu'un, tu ne crois pas en lui, c'est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tu ne crois pas en lui, puis tu fais semblant. Tu es diable. Tu es petite sœur et petit frère de Belzébul. Petite sœur et petit frère. Moi, je ne crois pas en toi. Ça ne m'intéresse même pas. Ton Facebook, ce que tu dis, je ne crois pas. Or, il y a des gens, ils regardent mon Facebook, ils regardent le Facebook de quelqu'un qui insulte le prophète, et puis il vient. Chez moi, il ne met pas « j'aime ». Il ne met pas « amen ». C'est là où on m'insulte, là. Qu'on met « amen, amen ». Pourquoi l'homme est comme ça? Ben, je vous aime. Voilà, parce que c'est ça la vie. Il faut avoir des ennemis pour grandir. Il faut avoir des trucs, parce que ça, c'est une école, c'est une formation. On ne peut pas tous être aimés et tout ça. Pour vous dire un mot, si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Voilà. Si tu ne crois pas à quelqu'un, ne le nuis pas aussi. Shalom, bonne nuit à vous. On est ensemble.